Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis professeur de karaté sur Internet et aujourd'hui je vais vous proposer un cours sur le coup de poing en karaté. Le coup de poing est une attaque dans le karaté et notamment dans la technique de base qu'on appliquera ensuite dans les combats. Il existe des attaques, des défenses, des contre-attaques. Le coup de poing est, qu'on va voir aujourd'hui, le coup de poing direct. Et le premier coup de poing qu'on peut enseigner ou qu'on peut pratiquer en karaté parce que il est relativement simple, il va permettre ensuite d'être pratiqué sur un certain nombre de déplacements différents en fonction des réactions ou de la situation géographique d'un adversaire par rapport à soi. Alors, on va d'abord regarder comment se fait le coup de poing. Je vous demande simplement de regarder et d'observer globalement. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce coup de poing? D'abord qu'il est très simple puisqu'il se fait sans déplacement comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelques petites particularités. Vous remarquez qu'au départ, mon poing est tourné paume de main vers le haut et qu'à la fin, il est tourné paume de main vers le bas. Ce qui signifie qu'à un moment donné de mon mouvement, mon poing va vriller. En fait, il va vriller vers la fin du mouvement pour permettre une meilleure pénétration à l'impact. Mais vous remarquez aussi que l'autre bras revient simultanément pendant que ce point-là frappe, et pour l'autre bras, le poing tourne au départ. Donc la vrille de celui qui attaque se fait à la fin, la vrille de celui qui revient se fait au début. Maintenant, considérant ces quelques particularités, je vous demande de vous mettre, si vous le voulez bien, en miroir avec moi, c'est-à-dire que comme j'ai mon poing gauche devant, je vous demande de mettre votre poing droit devant et d'exécuter le mouvement en même temps que moi. Je vais le faire doucement. Nous allons maintenant adopter un système différent. Je vais faire le mouvement plus rapidement. Et ensuite, je vais vous attendre pendant que vous le faites après moi. Donc, on est légèrement décalé. Donc, le temps que je vous laisse pour que vous puissiez faire votre mouvement correctement vous permettez en même temps de constater sur l'image que vous aviez en face de vous si vous étiez en accord avec ma proposition sur un plan statique, on va dire. Je vais vous demander maintenant de faire une pause image et de répéter ce mouvement quelques fois pendant une dizaine de minutes et ensuite me retrouver pour aller un petit peu plus loin. Bien. Avançons donc un petit peu, on donne un coup de poing, on va maintenant voir comment on doit fermer le poing pour que le mouvement soit efficace et pour ne pas se blesser si on avait un impact, si on touchait quelque chose avec ce coup de poing. Alors pour fermer un poing, il suffit de mettre sa main comme ceci, de fermer quatre doigts en même temps et de verrouiller le poing avec le pouce. Attention surtout à ne pas mettre le pouce à l'intérieur. Parce que si on donnait un coup comme ceci, on pourrait se faire assez mal et ce n'est pas le but, bien sûr. Donc on le fait un petit peu ensemble. On ferme les quatre doigts, on ferme le pouce, on recommence, on le fait avec les deux mains. Quatre doigts, le pouce. Et on peut se replacer comme ceci et faire une petite série maintenant avec les poings, bien sûr, peut-être mieux fermés. Alors, on s'est occupé des poings. Maintenant, les poings seuls ne participent pas au mouvement. Il y a pas mal d'autres éléments qui participent au mouvement. On va donc regarder ce que font les poignets ou plutôt comment ils sont placés. Lorsqu'on donne un coup de poing, le poignet doit être droit, c'est-à-dire que les métacarpes doivent être dans le prolongement des os de l'avant-bras. Pour une raison bien simple, si on donnait un coup de poing comme ceci, on pourrait se faire mal au poignet. Si on donne un coup de poing comme ceci, on pourrait aussi se faire mal au poignet. Donc pour cette raison, le poing est
positionné de cette façon, en ce qui concerne la vue de profil. Il existe des styles dans lesquels le point peut être positionné comme ça sans danger, mais pour d'autres raisons que nous n'allons pas expliquer pour l'instant, ce serait un petit peu trop long, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Maintenant, lorsque vous regardez le point de face, vous voyez que, de nouveau, mon poignet n'est pas cassé dans ce sens. Il n'est pas cassé dans ce sens parce qu'un impact ici ou ici serait de nouveau dangereux. Les métacarpes sont de nouveau dans le prolongement des os de l'avant-bras. Et si vous regardez bien, la partie qui porte lorsque je frappe, c'est cette partie-là et pas celle-ci. Cette partie-là, la tête des deux premiers métacarpiens, plus les phalanges ici, cette partie-là s'appelle en japonais les kento et c'est ce qui porte au moment où on donne un coup de poing. Donc je refais ce coup de poing plusieurs fois. Bien. Alors maintenant, on a avancé sur un certain nombre des paramètres essentiels à la bonne tenue du poing, du poignet, au positionnement et au déplacement du bras dans le mouvement. On va travailler maintenant sur ce qui se passe en amont de tous ces paramètres. Ce qui se passe en amont, c'est simplement comprendre que lorsqu'on donne un coup de poing en karaté, ou un coup de pied, ou une défense de base avec un bras par exemple, le mouvement ne vient pas du poing, il ne vient pas du bras, il ne vient pas de la jambe, il est toujours originaire du bassin, du ventre, des hanches, c'est-à-dire du centre du corps. Si vous regardez bien maintenant, pardon, ce mouvement, vous allez voir que ma hanche fait un travail particulier. Et donc vous voyez que lorsque la hanche démarre, le poing n'a pas encore tout à fait démarré, il y a une infime fraction de seconde d'écart entre le mouvement de la hanche et du poing, c'est quasiment simultané, mais dans mon esprit, ce n'est pas mon poing qui part, c'est ma hanche qui lance mon poing. Donc mon poing est passif et il est lancé par ma hanche. Pour ce faire, il va falloir que j'aie une très bonne assise. C'est-à-dire que si j'ai de mauvais appuis au sol, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, dans mon positionnement, au lieu d'avoir les jambes raides et être un petit peu raide moi-même, je vais m'asseoir dans mes pieds, je vais laisser mes genoux se déverrouiller, se plier très légèrement, et je constate à ce moment-là que le mouvement de mes hanches est facile et qu'il entraîne facilement le mouvement de mes épaules. Donc quand je vais refaire mon mouvement, voilà ce que ça va donner. Au lieu d'utiliser uniquement la force de mon bras ou de mon épaule, je vais utiliser toute la force de mon corps. Finalement, mon bras va faire beaucoup moins d'efforts et mon mouvement sera d'autant plus efficace. Alors pour arriver à faire ça, on va d'abord voir un petit peu comment les hanches vont tourner. Il suffit pour vous de faire comme moi, mettre les mains sur les hanches et tourner les hanches sans plus de vitesse que celle-ci. Les épaules doivent être solidaires des hanches, c'est-à-dire que les épaules ne doivent pas tourner indépendamment des hanches, elles sont véhiculées par les hanches. Si je mets mes mains ici, vous voyez bien ce qui se passe. Maintenant, je vais mettre mon poing gauche sur ma hanche gauche et vous faites la même chose avec votre poing droit. Donc vous voyez bien le système. Maintenant, on place les deux poings, on n'a pas besoin de faire l'exercice de l'autre côté et ensemble, on lance le poing par le mouvement des hanches. Maintenant, je vais m'arrêter. Vous avez le poing droit devant et de nouveau, on va se décaler. Chacun son tour, donc. Donc l'avantage de ce système, bien sûr, on l'a compris, c'est que dans un mouvement précis, avec un poing, avec un doigt, avec un pied, avec n'importe quel élément du corps, ce mouvement-là va impliquer tout le reste du corps. C'est-à-dire que tout le corps va être impliqué dans un mouvement et l'esprit aussi. Finalement, un coup de poing n'est pas un coup de poing, c'est un coup de corps finalement et un coup d'esprit. Et on aura l'occasion de voir ça dans d'autres cours plus avancés. Mais c'est un petit peu comme cela que ça fonctionne. C'est-à-dire que dans un mouvement précis comme un coup de poing, il y a un engagement de tout le corps et de tout l'esprit. Et ça, c'est extrêmement important dans le karaté.
Alors encore une fois, je vais vous laisser quelques minutes pour continuer à travailler sur ce mouvement en impliquant le paramètre des hanches et du reste du corps, et je vous retrouve tout de suite après. Bien, on a bien avancé sur ce mouvement maintenant. On va voir comment on peut matérialiser le mouvement, puisque pour l'instant on ne l'a fait que dans le vide. Maintenant, on va le faire sur une cible et ça va permettre de travailler la précision et en même temps d'avoir un aperçu de son éventuelle efficacité. Donc il faut bien faire attention de fermer le poing, bien sûr, lorsqu'on travaille sur une cible réelle. Alors pour ce faire, je vais demander l'aide de Jean-Claude. Je vais donc prendre ma position de la même façon qu'on l'a travaillé tout à l'heure, par rapport à la cible, et je vais donner mon mouvement directement sur la cible. Donc vous voyez que dans un cas comme ça, si je ne tourne pas mes hanches correctement, je ne pourrai pas avoir grande efficacité. Je dois faire attention lorsque je fais ceci, de ne pas frapper trop fort tant que mes mains ne sont pas habituées à ce genre d'exercice, bien sûr. Vous avez remarqué un certain nombre de choses aussi, j'en suis sûr, mais je vais quand même les préciser. Lorsque je donne un coup de poing, je le fais en face de moi. Donc, si vous regardez bien mon poing, il est au niveau de mon plexus solaire, ce qui est la hauteur si vous voulez, et en même temps il est au milieu de mon corps, en référence à ma colonne vertébrale. Donc le mouvement doit toujours être précis et être situé précisément. Dans certains cas, il sera donc au niveau du plexus solaire. Dans d'autres cas, il sera au niveau du visage. Dans d'autres cas, il sera au niveau du bas-ventre. Toujours en référence à mon propre corps. C'est-à-dire que je ne vais pas donner un coup de poing à un visage en fonction de quelqu'un qui serait plus grand que moi ou qui serait plus petit que moi, mais simplement en fonction de moi-même si je frappe dans le vide naturellement. Ensuite, il y a une question de hauteur. Le centrage, la hauteur, on les a vus finalement tous les deux, et ça c'est la précision en karaté. Lorsqu'ensuite on fera des katas, des enchaînements, on verra que ces paramètres ont une certaine importance. Donc maintenant, avec moi, on va refaire quelques mouvements en décalé, et vous allez suivre ce que je fais également au niveau des niveaux et du centrage. Donc voilà pour ce coup de poing basique en karaté. Vous voyez que dans ce coup de poing, il n'y a pas de déplacement de base. On l'a fait sur place parce que ça simplifiait un petit peu les choses. Mais dans un cours prochain, on prendra une autre option. On utilisera ce coup de poing pour faire des déplacements, du type de celui-ci par exemple, ou du type de celui-ci. Où l'efficacité du mouvement sera basée sur une recherche différente. Mais pour l'instant, on en reste là et je vous remercie de votre attention en espérant vous revoir bientôt sur Internet.